aux fruits et anti-mercure. Aux fruits et anti-mercure. Les pommes et les oranges contiennent de la pectine, qui se lie facilement aux métaux lourds, ce qui leur permet d'être facilement évacués du système. Ceci donne au foie un coup de main et permet de le garder en pleine forme. Dans les oranges, la plupart de la pectine se trouve dans la partie blanche de l'écorce et dans la membrane entre les quartiers. Alors assurez-vous de les laisser. Qu'est-ce que le mercure? Le mercure est un élément présent dans la nature que l'on retrouve dans l'air, l'eau et les sols. L'exposition au mercure, même à de petites quantités, peut causer de graves problèmes de santé et constitue une menace pour le développement de l'enfant in utero et à un âge précoce. Le mercure peut avoir des effets toxiques sur les systèmes nerveux, digestifs et immunitaires, et sur les poumons, les reins, la peau et les yeux. Le mercure est considéré par l'homme comme l'un des 10 produits chimiques ou groupes de produits chimiques extrêmement préoccupants pour la santé publique. Les gens sont exposés au méthylmercure principalement lorsqu'ils consomment du poisson ou des crustacés contenant ce composé organique. Vous aurez besoin de 2-3 oranges. 3 pommes. 1-2 litres d'eau minérale. 1. Tranchez les pommes et les oranges en gros morceaux, sans les éplucher, et placez-les dans un récipient d'eau fraîche. Laissez infuser pendant 24 heures avant de servir dans un verre de glace. Vous pouvez aussi manger les morceaux de fruits.